à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de Dragon Market. Donc, Dragon Market est un jeu sorti chez Bourange. On est pour à partir de 7 ans, pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 45 minutes. Dans le jeu, il y avoir une variante avancée, entre guillemets, un peu plus joueur, qui permettra en fait de faire durer un peu plus sa partie. Et on va avoir aussi un mode en équipe. Là, je vais vous présenter en fait le mode de base et je vous dirai rapidement en fait quel est le mode avancé. Il restera à vous à voir le mode en équipe pour pouvoir jouer aussi en fait en 2 contre 2. Donc c'est un jeu de Marco Tömner et au niveau des illustrations de Tomek Larek. Donc c'est un jeu familial. On peut jouer donc du coup avec les enfants. Pour information, moi j'ai joué avec mon fils de 6 ans et ça a très bien marché. En fait, il va y avoir le mariage en fait de la princesse et la princesse va envoyer son héritier aller au Dragon Market pour aller récupérer différents cadeaux qui vont être offerts pendant le mariage. Voilà pour la présentation. Donc, il faut savoir que là, j'ai fait une mise en place pour la partie, mais au fur et à mesure, en fait, chaque joueur va venir placer un bateau dans le jeu. Et une fois qu'on aura placé tous les bateaux, on ira mettre une ressource, enfin 2 ressources sur chaque emplacement, sur ces bateaux. Il faut savoir aussi que, donc comme vous pouvez voir, en fait, vous avez des bateaux où le conducteur est au milieu ou sinon ils sont sur les côtés. Quand c'est au milieu, il ne peut jamais être mis au bord. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi, mais en fait, on ne peut jamais le placer ici au bord. Ensuite, chaque héritier va se mettre sur son ponton. On va avoir aussi, en fait, 2 dés dans le jeu et on va avoir ici de l'argent dans le jeu. Donc, le premier joueur n'a rien du tout. Le deuxième joueur va récupérer une pièce. Le troisième joueur va récupérer 2 pièces et le quatrième joueur va récupérer 3 pièces. Ça, c'est pour la mise en place de départ. Ensuite, chaque joueur va récupérer une carte bleue. Donc ça, je vous dis, c'est pour la version avancée. Va récupérer une carte bleue. Donc par exemple, une partie ici à 4 joueurs, on va dire comme ça. Hop. Ils sont face visible. C'est les objectifs et les objets que chaque héritier va devoir aller récupérer. Et le principe est assez simple. On est en fait, donc je vous dis d'ici les héritiers, on va devoir aller les chercher. Après, on est sur un jeu un petit peu abstrait, parce que vous allez voir, en fait, on va jeter les dés. Après, ça va être une gestion de points de mouvement et d'optimisation de ce côté-là. On va lancer les dés. Donc ici, les dés vont, en fait, on va avoir soit des 3, soit des 4. On va lancer les dés. Premier joueur, par exemple, voilà. Donc là, ici, j'ai en tout 7 points. 7 points d'action. Les points d'action vont me permettre, en fait, de déplacer mon héritier ou déplacer des bateaux. N'importe quel bateau. Les bateaux vont toujours aller en avant ou en arrière, et vont pouvoir aussi tourner. Donc, un avancement, ça vaudra un point de victoire, reculer, un point d'action, et on va pouvoir aussi tourner, et il tourne toujours par rapport à la position, en fait, de celui qui gouverne le bateau. Donc là, ici, celui-là, donc, si je veux tourner celui-là pour un point de mouvement, donc il va tourner sur lui-même de 90 degrés, il tournera comme ceci. C'est pour ça que je vous explique que on ne peut jamais mettre ici au bord quand c'est au milieu, puisqu'on sortirait du plateau. Donc là, pour un point de mouvement, je pourrais le tourner comme ceci aussi. Je peux, pareil, donc tourner. Donc bien sûr, il va falloir avoir. Donc là, il était comme ça. Il va falloir pouvoir déplacer comme il faut pour pas être gêné. Donc là, ici, je pourrais pas tourner, par exemple, ce bateau-là. Hop, ce bateau ici, puisqu'il viendrait gêner. Donc là, si j'avance de 1, je peux ensuite le tourner par là. Hop, 2, ça fera 2 points de vite, ça fera 2 points de mouvement. Et donc voilà le principe. Donc là, moi, je suis ici avec l'orange. J'ai ces 4 objets à aller récupérer. Donc je vais essayer de me repérer pour savoir où ils sont. Donc j'ai ici cet objet ici à prendre, je vais l'avoir ici, je vais avoir le mini-dragon là-bas, le dragon qui est ici, et je vais avoir les champignons qui est... Hop. Ici. Donc j'ai donc du coup 7 points de mouvement, il va falloir que je calcule. Donc là je vous ai expliqué les points de mouvement que ça va coûter pour ça. Les héritiers, pour chaque déplacement aussi, bah, ça va vous coûter un point de mouvement. Donc 1, 2. Vous ne pouvez pas passer au-dessus du conducteur du bateau. Vous pouvez passer au-dessus un héritier. Et si là où vous arrêtez, en fait, quand vous passez, vous avez besoin de la tuile, bien sûr, la tuile, vous allez la prendre et après vous vous déplacez ailleurs. Vous ne pouvez jamais avoir plus de, enfin, deux, prendre 2 fois la même tuile. De toute façon, vous allez pouvoir prendre que les tuiles qui vous sont demandées. Vous ne pouvez pas prendre les tuiles qui ne vous intéressent pas. Et du coup, vous ne pouvez pas prendre une tuile en dos. Vous ne pouvez pas prendre 2 fois les éventails, 2 fois le petit dragon. Donc là, j'avais 7 points de mouvement. Donc je pourrais très bien dire, je fais par exemple 1, 2, hop, je suis un peu bloqué ici. Et donc j'avais dit d'aller chercher ça là-bas. Allez, 3. Non. 3.
4, 5, par exemple, hein, 6 et 7. J'ai fait ça. Ça me permettra par la suite d'essayer d'aller récupérer celui-là. J'ai celui-là à prendre aussi. Et là, mon tour est terminé et c'est au joueur suivant. Il faut savoir que si vous ne dépensez pas tous vos points d'action, ce qui peut arriver, à ce moment-là, vous irez récupérer des pièces. Donc, si par exemple, je vais dépenser que 5 points, je peux reprendre mes deux derniers points, je les prends pour récupérer de l'argent. L'argent, c'est quoi? Ça vous permet, lors de votre tour de jeu, pareil, ça va être à mon tour de jouer, hop, j'ai maintenant là, 8 points, enfin, 7 nouvelles fois 7 points et j'avais 2, donc c'est une nouvelle fois à moi de jouer. Ça va me permettre de dépenser une à deux pièces maximum supplémentaires pour avoir un ou deux points d'action supplémentaires. Donc là, je pourrais très bien faire, j'étais ici, ça revient à moi, hein, donc 1, 2, donc je récupère celui-ci, hop, je le mets devant moi, il faut celui-là maintenant, je vais passer par là, 3, 4, 5, hop, je vais par là, il faut que j'aille chercher maintenant ici la fiole qui est là et le dragon qui est là, donc je pourrais très bien dire 6. 7. Et donc là, je vais dépenser mes deux actions supplémentaires. Je me reste, j'avais deux pièces, je dépense les deux. Ça fait 1, 2, hop. Et je récupère celui-là. Voilà comment ça va fonctionner. Une fois qu'on a récupéré du coup les 4, on va devoir revenir à son ponton. Une fois qu'on est retourné à son ponton, l'objectif est atteint. On ira prendre une nouvelle carte. Et on sera parti pour un tour. Donc dans une partie ici à 4 joueurs. Dans la partie normale, en fait classique du jeu, le premier arrivé qui a fait deux objectifs aura remporté la partie. Donc il faut savoir qu'il y a suffisamment d'objets par rapport au nombre de cartes pour que chacun puisse faire ses deux objectifs. Donc ça, c'est dans la version normale. Dans une version après un peu plus avancée, donc là, je vous dis, on fera ça tout de suite, on va voir ces cartes-là. Ces cartes-là, en fait, vont vous permettre tout simplement, donc là, en début de partie, chaque joueur en pioche 2, il regarde celle qu'il va vouloir prendre. Et il va en garder qu'une sur les deux. Ensuite, du coup, il va redéfausser, on remélangera la pièce, on remélangera en fait tout ça dans la pioche. Et là, il va chercher ses objectifs, il va revenir à son ponton. Une fois qu'il a son ponton, qu'il a tout ce qu'il faut, il retourne la carte pour montrer qu'il a bien rempli les objectifs. Et ça lui permettra d'avoir un bonus une fois par tour. Donc là, maintenant, il va avoir ce bonus-là devant lui, face visible. Une fois par tour, il pourra utiliser cette action-là. Et il va donc, du coup repiocher deux cartes pour chercher une nouvelle fois un objectif parmi deux, remélanger, ainsi de suite. Dans la version avancée, ça sera le premier arrivé à trois objectifs. Donc là, il faudra chercher trois objectifs pour remporter la partie. Et vous avez vu du coup l'ensemble des règles du coup de Dragon Market. Donc vous avez vu, le jeu est assez simple. On va s'amuser à déplacer ce moment, d'optimiser ses actions. Des fois, en plus, de ce côté-là, on va vouloir faire une action et on va en plus embêter son joueur adverse qui avait commencé à travailler, à déplacer un bateau pour lui récupérer une ressource. Ben, vous allez en profiter, peut-être le redéplacer. Dans une partie à 2 à 3 joueurs aussi, mais avec la version de base, on doit aller chercher aussi 3 objectifs. C'est dans la version 4 joueurs, sur la version de base, où il n'y a que 2 objectifs. Maintenant, la partie ne dure pas beaucoup plus longtemps. Moi, je vous invite, si vous êtes un peu plus joueur, de passer tout de suite à ce moment-là, peut-être avec la version avancée, et d'aller chercher 3 objectifs. Comme je vous disais, il y a aussi un mode équipe. On sera donc en 2 contre 2. Il y aura un objectif commun et chercher des objets ensemble. Chacun jouera son tour pour aller récupérer des éléments et les ramener à son ponton. C'était du coup Dragon Market, un jeu de chez Blue Orange, familial, pour pouvoir jouer avec les enfants. Mon fiston, 6 ans, j'ai pu lui faire jouer sans souci. Il est bien rentré dedans, parce que la mécanique est assez simple. Et il y a aussi quand même de quoi réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma vidéo, de me laisser des petits commentaires qui font toujours plaisir. Et je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.